Zola et l'affaire Dreyfus. C'est une histoire terriblement confuse encore, cette affaire Dreyfus. On s'imagine volontiers que c'est clair, qu'on est entendu, que Dreyfus est innocent et qu'on a trouvé le coupable qui s'appelle Esterhazy. Je n'en suis pas absolument sûr. Oui, l'innocence de Dreyfus, certainement. Alors voilà comment je vais faire. Je voudrais vous présenter quelques étapes de l'affaire, ce que l'on en sait aujourd'hui, pour voir l'insertion de Zola. Ça commence au mois de septembre 1994. C'est en septembre 1994 que le SR, le Service français des renseignements, met la main, je mets ça entre guillemets, enfin, on ne sait pas trop comment, obtient un document, une lettre qui était non signée, non datée, qui a été prise à l'ambassade d'Allemagne, une lettre qu'avait dû recevoir l'attaché militaire allemand qui s'appelle Schwarzkoppen, je dis bien qu'avait dû recevoir car tout ça est encore extrêmement confus, et une lettre qui énumérait les documents que quelqu'un remettait à cet attaché militaire allemand. Document important pour la défense nationale, il y avait là des histoires d'artillerie, il y avait des notes sur Madagascar, enfin c'était évidemment un signe de trahison. Qui a écrit cette lettre? Ben, c'est tout le problème. Alors, on réfléchit, on se dit, il y a des questions d'artillerie, donc probablement c'est un officier d'artillerie, d'autre part ce sont des questions très secrètes, alors c'est pas un officier de troupe, c'est quelqu'un qui a dû avoir accès à ces secrets, donc un officier ou bien d'état-major ou bien qui a fait un stage dans l'état-major, et pendant des semaines on tâtonne. Et voilà que quelqu'un, M. Daboville, le colonel, dit qu'il a trouvé. Il s'agit d'un capitaine juif, qui s'appelait Albert Dreyfus, qui avait été stagiaire à l'état-major et qui était maintenant dans un régiment. Il ne faut pas oublier qu'il y avait à ce moment-là, en France, une grande campagne antisémite, et en particulier un journal qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drumont, qui tenait une rubrique intitulée « Les officiers juifs dans l'armée ». Alors il paraît qu'il y a une ressemblance entre le fameux bordereau, c'est-à-dire la lettre énumérant les documents livrés, et l'écriture de Dreyfus. On convoque naturellement des experts, ils ne sont pas d'accord. Il y a trois experts qui disent « oui, c'est certainement l'écriture de Dreyfus », et deux autres qui disent « ah non, ça n'a pas l'air d'être l'écriture de Dreyfus ». Et comme on veut faire passer suite à mon conseiller de guerre, toutes les chances, semble-t-il, que devant la mésentente des experts, le conseiller de guerre, faute de preuves, la quitte. Alors, le ministre de la guerre, qui était un général, il s'appelait le général Mercier, commet exactement un crime juridique. Il va remettre au juge militaire en secret des documents sur Dreyfus. Crime juridique parce qu'on n'a pas le droit de condamner quelqu'un sans lui montrer sur quoi on le condamne et en cachant même ses pièces à son avocat. Et c'était Maître de Manche qui était l'avocat de Dreyfus. Et bien cependant, c'est ce qui va se passer. On ne parlera pas au procès même des documents que le ministre de la guerre a remis. C'est simplement lorsque les juges se sont retirés pour délibérer que, secrètement, on remet aux juges ces fameuses pièces secrètes et mystérieuses. Sur le vu de ces pièces, les juges se décident et Dreyfus est condamné à l'unanimité, condamné à dégradation, à la déportation. La dégradation de Dreyfus a lieu dans des circonstances très dramatiques, comme toute grande dégradation, devant 6000 hommes de troupes dans la cour de l'école militaire. Il apparaît là, en grand uniforme, un adjudant lui enlève ses boutons, lui enlève ses décorations bien sûr et aussi ses galons. Et ce malheureux va être obligé de défiler entre quatre soldats sabre-au-terre sur le front des troupes. Et quand il défile, il crie d'une voix misérable, éteinte. Vive la France, je suis innocent. C'est un homme qui ne payait pas de mine, Dreyfus, il n'attirait pas la sympathie. Un visage assez ingrat, des yeux qu'on voyait mal derrière des lorgnons. Aucune générosité humaine, semblait-il aucun élan qui ne sortait de lui. Tout de même, il y a une chose troublante, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi cet homme aurait bien pu trahir. Étant donné, premièrement, qu'il était alsacien et d'une famille qui avait à dessein quitté l'Allemagne pour l'Alsace pour ne pas rester sous la domination allemande, qu'il était riche, par conséquent, à 25 000 francs de rente, il n'avait pas besoin de se vendre, qu'il avait une vie absolument rangée, il était marié, deux enfants, un ménage qui s'entendait parfaitement, c'est un homme qui ne sortait pas, qui ne jouait pas, qui n'avait pas de dette. Pourquoi avait-il trahi? Cependant, on affirmait que le bordereau était de lui, et que d'autre part, ces fameuses pièces secrètes établissaient sa culpabilité. Alors il est condamné, dégradé et envoyé, comme vous le savez, à la fameuse île du diable sur les bords de la Guyane. Ce que je viens de vous dire est du 5 janvier 1995, la dégradation. Une année, plus d'une année, se passe. Nous sommes maintenant en mars-avril 1996. Le service des renseignements a changé de titulaire. Ce n'est plus le colonel sans R, c'est un lieutenant-colonel qui s'appelle Picard. Ce lieutenant-colonel Picard a entre les mains, obtient un nouveau papier, une lettre qui vient de l'ambassade d'Allemagne, qui est écrite par Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand, ou du moins dictée par lui, et qui porte une suscription, enfin c'est un petit bleu comme on dit, ce qui veut dire un pneu, enfin une carte pneumatique, envoyée à un certain commandant Esterhazy.
Ça intéresse beaucoup le chef du service de renseignement. Enfin, qu'est-ce que peut bien vouloir cet attaché militairement Schwarzkoppel à un commandant d'infanterie française qui s'appelle Esterhazy? Picard, comme c'est son devoir, fait faire une enquête sur Esterhazy. Drôle de personnage. Le colonel de son régiment, qui s'appelle le colonel Curé, donne les plus mauvais renseignements sur cet Esterhazy qu'il appelle une espèce de Rastaquet. On sait d'autre part qu'il a pratiquement quitté sa femme. Il vit chez une prostituée qui s'appelle la fille Peggy. Il y a des histoires misérables d'escroquerie. Ce personnage physiquement n'attire pas la sympathie, certes, encore beaucoup moins que Dreyfus. Il a des yeux enfoncés, brûlants, il est paraît-il ravagé de tuberculose, ce qui est un peu voûté et ce regard volontiers fuyant. Enfin, on n'a pas d'autre preuve encore que ce petit bleu, c'est-à-dire cette lettre que lui adresse mystérieusement l'attaché militaire allemand. Tout de même, c'est bien inquiétant. Et Picard poursuit son enquête. Attention à ceci, jusqu'à présent, Picard n'a pas une seule minute l'idée que l'affaire Dreyfus puisse reparaître. Dreyfus, il est condamné, il est là-bas à son île du diable, il a été justement condamné. Mais il y a Esterhazy qui pourrait être un autre, vous entendez, un nouveau traître dans l'armée française. Pas de chance, coup sur coup, à 2 années d'intervalle, 2 traîtres dans l'armée française. Et au cours de l'enquête que le colonel Picard poursuit, il a entre les mains de l'écriture d'Esterhazy. Regardant l'écriture d'Esterhazy, il s'aperçoit, il en est suffoqué, enfin, c'est un coup pour lui, que l'écriture d'Esterhazy correspond à cette écriture du bordereau sur laquelle on a condamné Dreyfus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien entendu, le colonel Picard va exposer l'affaire à ses chefs. Son premier chef direct, c'est le sous-chef de l'état-major de l'armée, général Gons, et son chef suprême, c'est le chef d'état-major de l'armée, général de Boisdef. Picard est stupéfait de la réponse que lui fait Gons et ensuite que lui confirme Boisdef. Et même, on l'envoie au ministre, qui s'appelle Billot, qui confirmera la position de ces deux généraux. À savoir que, on l'autorise naturellement à poursuivre son enquête sur Esterhazy, pour le démasquer, si c'est un traître. Mais qu'en aucun cas, il ne doit mêler la question Dreyfus à la question Esterhazy. Absurde. Puisque justement, toute l'affaire, c'est de savoir qui a écrit le bordereau et si c'est Dreyfus ou Esterhazy. Alors se développent contre Picard toutes sortes de manœuvres stupéfiantes de la part de l'état-major français, qui décide que l'on l'écartera à Picard, qu'on le dépossédera et qu'on le perdra. On l'écarte. Lui qui est chef du service de renseignement, dont la fonction est d'être à Paris, on l'envoie en mission d'abord dans l'Est, puis à peine a-t-il terminé sa mission dans l'Est, dans le Midi, à peine a-t-il terminé à Marseille, qu'on l'envoie à Constantine, puis de Constantine au sud tunisien, et on le verse finalement dans un régiment de tirailleurs. Donc il est écarté et dépossédé. Mais il y a mieux, on essaye de le perdre. De faux télégrammes lui sont adressés, qui seront dans son dossier, des télégrammes tendant à faire croire que c'est lui qui a fabriqué, qui a fait un faux, qui a fabriqué le bordereau. Alors, assez effrayé de tout ce qui se passe, il s'en ouvre à un de ses amis, qui était un avocat, qui s'appelle Leblois. Et Leblois lui-même va trouver un personnage très important à ce moment-là, qui s'appelle Scheurer-Kessner, qui était vice-président du Sénat, qui était un vieil Alsacien irréprochable, respecté partout. Et Leblois explique à Scheurer-Kessner tout ce que je viens de vous dire. Scheurer dit, mais c'est infiniment grave, enfin, si on a vraiment découvert l'auteur du bordereau, alors ce monsieur Dreyfus qui est au bagne depuis 2 ans, il ne le mérite pas. Scheurer-Kessner va trouver le président de la République, qui s'appelait Félix Faure, lui explique la chose. Le président de la République dit, moi je suis incompétent, irresponsabilité, allez voir le ministre de la Guerre. Scheurer va voir Billot, qu'il tutoyait, le ministre de la Guerre, il lui dit, il faut reprendre l'affaire. Et à ce moment-là, Billot hésite, ne dit ni oui ni non. Et Scheurer-Kessner lui dit, mais vous savez, attention, voyons, attention. Si ce n'est pas l'armée elle-même qui prend l'initiative de la révision de cette affaire Dreyfus, ça va se savoir dans le public. La famille Dreyfus, qui n'a jamais voulu croire à la culpabilité d'Alfred Dreyfus, va alarmer l'opinion publique, alerter l'opinion publique, et c'est l'armée qui se trouvera dans un très mauvais cas. C'est à ce moment-là que Zola va intervenir dans l'affaire. Zola, en 1994, était à Rome. Il était en train de préparer son livre sur Rome. Il avait simplement lu, comme tout le monde, dans les journaux, ce qui s'était passé, et ça ne l'avait pas particulièrement frappé. Il a dit, tiens, mon Dieu, quelle misère, voilà un officier français qui a fait une trahison. En revanche, il s'était un peu intéressé à l'affaire de la dégradation parce qu'il déjeunait ce jour-là, ce 5 janvier 1995, chez Alphonse Daudet. Et Léon Daudet, le fils d'Alphonse, qui est devenu très célèbre comme polémiste, était allé voir cette dégradation. Alors il rentre vers 12h30 et il raconte à son père, à table, et à Zola qui était là, ce qu'il a vu. Et Zola est intéressé, mais comment dirais-je, d'un point de vue plutôt esthétique, en disant « oui, tiens, ce serait une scène admirable et pathétique à raconter dans un roman ». Puis il s'en occupe plus. Alors voilà justement qu'à l'automne 97, Scheurer-Kessner, Leblois, enfin tous ceux qui ont appris la vérité par Picard, viennent le trouver. Et lui disent, un homme comme vous, avec l'audience qu'il a, s'il nous aide à alerter l'opinion
sur ce drame peut se faire entendre. Et cela s'y intéresse en effet beaucoup. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'il y va sans violence, sans passion. Il est convaincu qu'il n'y aura pas, pour ainsi dire, d'affaire Dreyfus, que c'est tout simple, puisqu'on a découvert quel était le coupable, Sferazzi. Il va forcément, ce coupable, être traduit en justice militaire, on va passer devant un conseil de guerre. Alors on le condamnera, puisqu'on a contre lui toutes sortes de preuves, ressemblance d'écriture, le petit bleu, etc. Et dès qu'il sera condamné, ben, naturellement, Dreyfus sera libéré. Alors les deux premiers articles que Zola publie sur l'affaire sont des articles parfaitement calmes et tranquilles. Le premier s'appelle justement Scherer-Kestner, sans plus. C'est un article qu'il a donné au Figaro le 25 novembre 1997. Et il l'a intitulé Scherer-Kestner pour dire au public français, voyez-vous, si un homme comme Scherer-Kestner, un homme âgé qui n'a plus d'ambition, et est universellement et légitimement respecté, a pris position, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme insoupçonnable du point de vue du patriotisme et qu'aucune passion ne fait agir. Et comme les journaux nationalistes ont inventé à ce moment-là la parade de l'invention d'un syndicat avec un S majuscule, Drumont a publié un article tonitruant là-dessus dans sa libre parole, le syndicat. Le syndicat, ça serait, paraît-il, la juiverie internationale qui a amassé l'or des 30, des 40 millions pour acheter les consciences en faveur du traître Dreyfus. Ben cela répond sans violence, en souriant même. Enfin, l'article s'appelle justement Le syndicat, 1er décembre 1997, dans le Figaro. Et il dit, mais oui, mais bien sûr, t'as entendu, il y a un syndicat. C'est le syndicat de tous les hommes de bonne volonté, j'en suis, et tous les braves Français de France en seront comme moi. Donc on est convaincu qu'Esterhazy, passant en jugement, l'affaire est liquidée. Eh bien, vous savez ce qui va se passer, c'était l'état-major même qui avait dit à Esterhazy, mais demandez donc à passer en jugement, vous ne craignez rien. Le conseil de guerre est une espèce de plaisanterie qui se déroule le 10 et 11 janvier 1998. Effectivement, tout de suite, Esterhazy est renvoyé, acquitté, blanc comme neige. C'est un coup de massue pour les amis de Dreyfus. Seul, Zola reste debout et prend à ce moment-là une décision dont je voudrais vous faire comprendre le mouvement intérieur. Il s'était gardé, depuis toujours, de l'engagement politique. C'était quelqu'un qui redoutait la mêlée. Il avait écrit l'Assommoir. Alors des écrivains socialistes s'étaient approchés de lui en lui disant « Mais rejoignez nos rangs, enfin passez au socialisme. » Mais il s'était défendu, il avait dit « Je verbalise seulement. » Vous comprenez quoi? Je dresse un procès verbal, je fais un constat. Mais je ne conclue pas, parce que selon moi, la conclusion n'appartient pas à l'artiste. C'était une manière de retrouver la vieille doctrine de l'art pour l'art, quoi. C'est pas mon affaire. En 85, avec Germinal, il devait faire pas de plus. Germinal est une mise en accusation, non pas de l'alcoolisme, mais de l'ordre social même. Et il avait été loin, parce que dans un journal, il avait fait la déclaration que voici, « Oui, j'ai voulu pousser un tel cri de pitié et de justice que la France cesse de se laisser dévorer. » Ça, c'était un engagement. Et bien, comme s'il avait peur de ce qu'il avait fait, il avait fait marche arrière après. Regardez par exemple dans La Terre, qui est de 87, ou dans La Débâcle, qui est de 92, chaque fois qu'il met là un personnage de socialiste, l'un s'appelle Canon dans La Terre, l'autre s'appelle Chouteau dans La Débâcle, ce sont des personnages répugnants. D'autre part, Zola n'aime pas les politiciens. Il l'a fait dire par son personnage de Souvarine dans Germinal. Les politiciens, dit-il, sont des gens qui s'enrichissent à faire des phrases. Oui, c'est entendu, mais seulement cette fois, il ne s'agit pas de politique. Oh, j'entends bien que Maurice Barrès, dans ses cahiers, s'applique à dire que l'affaire Dreyfus, après tout, n'est qu'une historiette. Je trouve que le mot est une trouvaille, oui. Une historiette qui n'a, dit-il, que l'intérêt grossier d'un roman feuilleton. Pour Zola, non, c'est autre chose. Et il écrit, donnant à chaque syllabe son poids, c'est l'histoire d'un juif crucifié. Une espèce de tocsin avait sonné en lui. Pas d'homme qui soit plus mal préparé que lui à la bataille politique. Le docteur Toulouse avait publié sur lui, sur Zola, en 96, donc 2 ans avant le moment où nous sommes, un drôle de livre, une espèce d'analyse psychomédicale du cas Zola. Et Zola avait accepté ça très gentiment, il avait même fait une préface pour ce bouquin. Ce livre ne disait pas des choses agréables sur lui. Il disait qu'il était un homme d'une sensibilité morbide, avec des manifestations excessives et maladives, révélant que, par exemple, Zola avait peur, physiquement peur, de la foule, qu'il avait peur, physiquement peur, de l'orage, que quand il y avait des éclairs et du tonnerre, il s'enfermait chez lui, faisait fermer toutes les fenêtres, qui est une sage précaution, mais faisait allumer l'électricité, se mettait un bandeau sous les yeux. Un homme qui est incapable d'avoir du sang-froid dans la discussion. Il n'a pas de présence d'esprit. D'autre part, il ne sait pas non plus parler en public. Lorsqu'il a été président de la Société des gens de lettres, et qu'il a été obligé, bien entendu, de par ses fonctions, de prononcer des discours, ses discours sont pitoyables.
Il n'a aucune invention verbale, il lit tout. D'autre part, comme il est très myope, il lit en mettant ses bouts de papier là, devant son nez, et il fait des lapsus tout le temps. Enfin, les gens rient quand Zola parle. Eh bien, s'il va s'engager dans l'affaire Dreyfus, c'est qu'une mauvaise conscience est en lui. Tâchons de bien comprendre. Premièrement, quand il s'est présenté à l'Académie française, ses camarades de départ, ceux qu'on appelait les amis des soirées de Médan, n'avaient pas beaucoup aimé ça. On avait dit quoi? Alors, il y a deux Zola, c'est Séard qui va dire ça. Il y a deux Zola, il y avait un Zola provisoire autrefois qui feignait de ne pas aimer les honneurs. Et puis, il y a le vrai Zola de maintenant qui est arrivé, qui veut encore plus arriver et s'installer dans le monde. Il avait faim de hausser les épaules, de prendre pas ça au tragique, mais ça l'ennuyait. Deuxièmement, il se dit, je ne veux pas me mêler de pousser à une révolution sociale, parce qu'une révolution, il y a toujours du sang répandu, des violences, et je ne veux pas, moi, avoir sur les mains du sang. Bon, c'était vrai, c'était noble. Zola était quelqu'un qui avait vu la Commune, qui avait vu Paris en feu au mois de mai 71. Et ça l'avait laissé terrifié. Mais en même temps, quand il réfléchit, il s'aperçoit que cette responsabilité dont il parle se mêle beaucoup dans sa pensée à sa tranquillité. Il veut pas de responsabilité, mais il veut aussi être tranquille dans son coin, dans ses coussins et dans sa belle maison, à écrire ses livres tranquillement, paisiblement. Troisièmement, il accuse les politiciens d'être des gens qui s'enrichissent en vendant des phrases, lui aussi. Est-ce qu'il ne s'est pas enrichi justement en vendant des phrases? Et quelles phrases? Beaucoup de choses brutales, terribles et sexuelles dans ses livres. Oh, je sais bien que toujours il disait que ce qu'il voulait faire, c'était d'inspirer l'horreur du mal en le décrivant. C'est un très vieil artifice, vous savez, je me rappelle, je vois, enfin, Crébillon, au siècle précédent, Crébillon fils, qui se spécialisait dans la littérature pornographique. Ben, il avait soin de mettre, au début de chacun de ses livres, une préface paratonnerre, où il expliquait aux gens que s'il décrivait des choses épouvantables, c'était pour inspirer l'horreur du vice et l'amour de la vertu. Vraiment, est-ce que Zola pouvait croire avec honnêteté que si des légions de Français se précipitaient sur ses bouquins, c'était pour favoriser en eux la vertu? Et enfin, quand on descend encore plus dans le secret de son cœur, depuis 1888, Zola est un homme qui vit en mauvaise intelligence avec lui-même, parce qu'il a cette vie double, parce qu'il vit dans cet adultère qu'il a condamné. Alors, s'il prend le départ en 98, s'il fait ce qu'il va faire, se risquant à fond, c'est précisément parce que c'est coûteux. On dira de lui, il a cherché la réglave. Ah, c'est justement le contraire, savez-vous. Parce que s'il avait été un peu gentil, s'il n'avait pas pris cette position-là, s'il n'avait pas attaqué l'état-major, mais il y était sûr d'entrer à l'Académie française. Il avait déjà 11 voix à la dernière élection. Avec un peu de gentillesse, il y entrait. En prenant la position qu'il va prendre, il casse les reins à sa candidature académique. Il le sait, il est d'accord. D'autre part, 98% de l'opinion publique en France est convaincue que Dreyfus est coupable. Toucher à l'état-major, c'est un blasphème, c'est un scandale. Il va perdre une partie de sa clientèle. Plus encore, il y a des gens déchaînés dans Paris. Il y a des tueurs que l'antisémite Guérin a fait venir d'Alger. Ils crient à mort, Zola. Zola, c'est sérieux. Il est en train de risquer un coup de couteau, un coup de revolver. Eh bien, va pour le coup de couteau et le coup de revolver. Zola s'engage précisément parce qu'il y a un risque pour faire au moins une fois dans sa vie quelque chose d'absolument propre. Ce que Zola va faire, il faut bien s'en rendre compte, ça n'est pas une opération de polémique, une opération de stratégie. Voilà le raisonnement qu'il a fait. Il s'est dit, c'est couru maintenant, c'est vu. Tant que l'affaire restera entre les mains des tribunaux militaires, tant que l'état-major pourra étouffer cette affaire dans la nuit de ces tribunaux de privilège, eh bien c'est fini, on n'obtiendra rien. Il s'agit donc d'obtenir, par effraction, d'amener cette affaire devant un tribunal civil. Et pour ça, c'est lui-même qui va se risquer, à savoir qui va attaquer directement et nommément les généraux, afin de se mettre sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse et de se faire traîner en justice, mais lui civil devant la justice civile, et par conséquent devant la cour d'assises, il pourra dire ce qu'il est interdit de dire devant les tribunaux militaires. C'est pourquoi il va lancer son fameux article « Lettre au président de la République » dont Clémenceau, vous le savez, va changer le titre, l'appelant « J'accuse », où il accusera nommément « J'accuse le général de Boisdeffre, j'accuse le général Gonse, j'accuse le premier conseil de guerre, j'accuse le second conseil de guerre, celui qui avait acquitté Esterhazy, d'avoir acquitté par ordre un coupable ». Le gouvernement et l'état-major sont extrêmement ennuyés, puisque précisément Zola fait ce qu'on ne devait pas faire, va parler de ce que l'on ne devait pas dire. Alors pendant 5 ou 6 jours, on décide de faire comme s'il n'avait rien dit. Ce qui était tout de même désagréable, enfin pour les généraux qui venaient d'être bafoués par lui et qui faisaient semblant de ne pas avoir senti le coup. Comme l'opinion publique n'acceptera pas ça, on trouve enfin un biais. Comme Zola a dit dans son texte, « J'accuse le second conseil de guerre d'avoir, par ordre, acquitté
un coupable, c'est sur ces mots, par ordre, qu'on va tâcher de le coincer. On lui fera un procès, la plainte ne portera que là-dessus, sur ces mots, par ordre, parce qu'on est sûr qu'on le tient. On lui demandera de prouver que le conseil de guerre a acquitté par ordre. Naturellement, les généraux n'ont pas eu l'enfantillage de donner un ordre écrit que l'on puisse produire, un ordre écrit au conseil de guerre d'acquitter. Alors on tiendra cela en lui disant, mais faites-en la preuve, il ne peut pas la faire. Si bien que ce procès se déroulera d'une manière absurde, où toutes les fois qu'on essaiera de parler du fond, c'est-à-dire de la question Dreyfus ou de la question Esterhazy, chaque fois le président, qui s'appelait Delgorg, va intervenir en disant, la question ne sera pas posée. Le résultat sera obtenu, Zola sera condamné au maximum, c'est-à-dire 3000 francs d'amende et un an de prison. Ben vous savez la suite, Zola qui va à ce moment-là passer en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'il entendra le retentissement de ces deux énormes coups de tonnerre qui vont ébranler la France et même le monde, parce que le monde passionnait pour cette affaire, le coup de tonnerre du 30 août 1898. Henri, le colonel Henri, chef du service de renseignement, avoue, devant le ministre de la guerre Cavaignac, avoue qu'il a fabriqué lui-même la pièce capitale qui établissait, paraît-il, la culpabilité de Dreyfus. Il a fait un faux de ça. Et le lendemain, 31 août, second coup de tonnerre, pire que le premier, le colonel Henri avait été mis naturellement aux arrêts de rigueur au Mont-Valérien à la suite de son aveu. Et ce 31 août, dans sa cellule du Mont-Valérien, on le trouve la gorge ouverte. Bien entendu, c'est la révision du procès qui s'impose, puisque le document capital contre Dreyfus n'existe plus. Mais révision du procès, c'est de nouveau Dreyfus passant devant un tribunal militaire, et c'est le conseil de guerre de Rennes qui va juger Dreyfus et condamner à nouveau Dreyfus l'innocent. Seulement, comme l'opinion publique cette fois est alarmée, et que tout le monde, ou presque tout le monde, comprend que Dreyfus est un innocent, il y aura cette chose absurde que le conseil de guerre va le condamner avec circonstances atténuantes, afin de préparer cette grâce déjà prévue, grâce que le président de la République va donner à Dreyfus, ce qui est d'ailleurs monstrueux, parce qu'on ne gracie pas un traître si peu de temps après son crime, et on gracie encore moins un innocent. Mais l'idée de la grâce, c'était pour préparer une amnistie générale, c'était la grande pensée du nouveau ministre de la guerre, encore un général, et qui s'appelait Gallifet. Gallifet s'était dit, l'affaire est très très mauvaise pour l'armée, bien entendu qu'on va la reconnaître, l'innocence de Dreyfus. Alors on cherchera les vrais coupables, et ceux qui ont couvert le coupable, et par conséquent il faut qu'on n'en parle plus, amnistie. Amnistie non seulement pour Dreyfus lui-même, mais pour tout fait connexe, dit le texte, tout fait connexe à l'affaire Dreyfus. Autrement dit, lorsque Dreyfus sera réhabilité, les vrais coupables seront couverts par l'amnistie. Ben Zola assistera à ça, il ne verra pas Dreyfus réhabilité, puisque Dreyfus le sera en 1906 et que Zola va mourir en 1902. Le déchaînement des haines contre cet homme à cause de la position qu'il avait prise est inimaginable. C'est un crépitement de brasier. Il n'y a qu'à regarder les fameuses caricatures, enfin si nombreuses que nous avons des journaux de l'époque contre cela. Elles sont atroces, enfin ces caricatures qui inlassablement le représentent avec un pot de chambre dans une main, avec une autre main derrière, le dos recevant des sacs d'or des Juifs ou de l'Allemagne, un Zola traîné dans la boue parce qu'il a parlé pour la vérité. On criait en effet à mort Zola, on ne se contentait pas de crier à mort, il fallait que la police le protégeât. Là, la comtesse de Martel, qui se faisait appeler Gypte en littérature, se spécialisait par l'agression permanente, presque quotidienne, contre Zola, qu'elle appelait Zola la honte, Zola l'italien, Zola le souteneur, Zola la débâcle. Et la petite Denise, qui avait à ce moment-là 9 ans, nous racontera dans le très beau livre qu'elle a fait sur son père, qu'elle avait reçu une lettre à son nom, Denise Zola, qu'elle avait ouvert la lettre, qu'elle avait trouvé dans l'enveloppe une photographie de son père, dont on avait crevé les yeux. Peggy, qui ne s'intéressa pas beaucoup jusqu'alors à Zola, Peggy a voulu le voir. Il est allé le voir, il lui a demandé un rendez-vous au lendemain de l'affaire J'accuse, parce que, comme il le dit dans son texte, il voulait avoir cette impression du face-à-face, que rien jamais ne remplace. Il voulait avoir devant lui l'homme qui avait fait ce qu'il avait fait. Elle est très belle, la description est très simple, la description que Peggy nous apporte de Zola. Cet homme, dit-il, assez petit, peu volumineux, qu'il a reçu, un peu frileux, qui avait l'air d'un vieux paysan, avec ce visage triste et bon qui était le sien. Les traits, dit-il, tirés et comme retirés vers le dedans. Banville, pas Banville, hein, Banville, Théodore de Banville, en 1974, ce Mokot Zola disait, c'est un homme qui a toujours l'air de n'en parvenir. Il est impressionné par toute chose comme le serait un sauvage ou un enfant. Eh bien, Peggy va reprendre, sans savoir qu'il le reprend, ce mot de Banville. C'était 74, le mot de Banville, et c'est en 98 que Peggy écrit ce que je vous dis.
Et il dit, ce qui me frappe, quand je regarde, quand j'écoute Zola, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire fraîcheur de cet homme qui n'est plus jeune, il a 58 ans. Fraîcheur qu'il y a chez lui à s'étonner encore aujourd'hui de ce qu'on fait de bête, de laid, de mauvais. C'est vrai, vous savez, si vous reprenez ce premier livre de Zola, enfin le second livre plutôt, cette confession de Claude dont je parlais dans mon premier entretien, c'était justement l'histoire de quelqu'un qui s'étonne, de quelqu'un qui n'en revient pas. C'est cet étudiant venu de province qui est à Paris et qui s'étonne avec horreur, qui se scandalise de ce qu'il voit dans Paris. Et il dit dans son livre, mais combien sommes-nous là, peut-être 2-3 jeunes gens sur 1000, à nous sentir crever le cœur au spectacle de ces abominations. Les autres, oh ma foi, les autres, ils vivent tranquilles, infâmes et souriants. Et il ajoutait, je resterai peut-être toujours un enfant. Il disait ça à 25 ans. Et à 53 ans, lorsqu'il écrit son Docteur Pascal, qui est le dernier ouvrage de la série du Rougon-Macquart, et où chacun sait que le Docteur Pascal, c'est lui, à plusieurs reprises, il dit que ce qui frappait quand on s'approchait de Docteur Pascal et qu'on le regardait, c'était justement ses yeux. Ses yeux qui avaient gardé, jusque dans la vieillesse, une espèce d'enfance. Il ne faut pas oublier que Zola a été longtemps un enfant chrétien, même un adolescent chrétien. On a une lettre de lui à 20 ans, 10 août 1860, donc il a 20 ans, hein, plus de 20 ans, à Bâle. Et il lui fait une espèce de profession de foi. Et il lui dit, tu veux savoir ce que je crois, je vais te le dire, je crois en un Dieu tout-puissant et juste. Et je pense que ce Dieu m'a créé, qu'il me dirige et qu'il m'attend. Puis il arrivera à Zola ce qui arrivait à presque tous les jeunes gens de cette époque, qui vivaient dans cette atmosphère de matérialisme déterministe. Les maîtres à penser de ce temps s'appelaient Littré, s'appelaient Taine, s'appelaient Renan. Et Zola, c'est quelqu'un qui n'est même pas bachelier, qui a en lui une espèce de simplicité et d'humilité. Il se dit tout ce que j'ai cru dans mon enfance, mais les maîtres me prouvent que tout ça, c'est de la puérilité, c'est des illusions. Et Zola va perdre cette croyance qu'il a vécue longtemps. On va même lui voir une espèce d'allégresse dans cette conviction nouvelle qu'il n'y a rien, que tout n'est que rêve et qu'illusion. Je vois un texte de 79 où il dit, parlant des crédules, « Nous vidons leur ciel ». Nous nions leur bon Dieu. Ça, c'est 79. Et bien, en 80, son ton a changé. Pourquoi ? À cause de la mort de sa mère, qu'il a fait là cette découverte terrible du néant. C'est donc vrai, alors que ce que l'on a aimé sur la terre, on ne le retrouve nulle part. Et c'est pourquoi, dès lors, il parlera toujours de son amère certitude. Certitude, bien entendu, certitude, oui, qu'il n'y a rien. Mais amère certitude. Et en même temps, et là-dessus j'insiste, et en même temps cet homme, a perpétuellement le sentiment d'une convocation, d'une vocation, oui, d'une convocation qui lui serait personnellement adressée. Voyez-vous, quand il avait 20 ans, admettons que ce soit un gamin, il écrivait à Bâle ceci, « Soyons apôtres !» Puis c'est l'année suivante, je crois, qu'il lui dit, « Tout cœur généreux, ne se sent-il pas attiré vers le ciel ?» Et bien maintenant, s'il n'emploie plus ce vocabulaire d'apôtre et de ciel, il a tout de même cette conviction que quelque chose lui est demandé. « On nous demandera compte de la sainte étincelle, » dit-il. Mais que dire aux gens ? Il avait raté avec sa petite Berthe, quand il la tenait là contre lui dans le lit et qu'il essayait de lui expliquer ce qui était bien et ce qui était mal. « Si j'avais eu, dit-il, si j'avais eu le sentiment d'un paradis humain à lui proposer, il n'avait pas su que lui dire. » Et maintenant qu'il a inventé ce personnage de l'abbé Pierre Froment, un prêtre qui perd la foi et qui cherche que mettre à la place de cette foi, on voit Pierre Froment divisé, ravagé, disant « Quelle foi semer dans leurs esprits ?» Convocation. Eh bien, il y répondra à sa convocation, même s'il ne sait pas au juste que dire. Justice, bonté, il faut qu'il y aille. Tant pis, dit-il, allons, en avant, même dans la nuit. Dieu, il n'acceptera plus qu'on le questionne là-dessus. Il ne veut pas se déclarer athée, et il ne veut pas non plus se déclarer croyant. Je vois une scène dans La Joie de vivre, qui est visiblement prise sur le vif. Il y a là l'abbé Hurter, qui est un bon brave homme de prêtre. Il y a M. Chanteau, qui est le personnage principal de La Joie de vivre. Et puis, il y a un docteur. Il s'appelle docteur Cazenov, et visiblement Zola est derrière. Alors dans une discussion, l'abbé, sans vouloir être méchant, dit, par exemple le docteur, qui ne croit pas en Dieu. Alors Cazenov l'interrompt avec une espèce de brusquerie, qui vous a dit que je ne crois pas en Dieu ? Et la science, dit Zola, la science à laquelle il faut s'attacher, la seule chose que nous connaissions d'un peu sûre, cette science, mon Dieu, peut-être qu'elle arrivera à déboucher sur une vérité transfigurante. Il y a des textes de Zola là-dessus, étranges, je vous assure. Zola a un sentiment que si le savant arrive à percevoir ce qu'est la matière même,
Il n'est pas sûr qu'il ne découvrira pas que cette matière est quelque chose d'elle-même, vivante comme une force, comme une vibration et peut-être comme un esprit. Il y a un texte de lui que je voudrais vous apporter qui est tout à fait la fin de sa vie, où il dit ceci exactement, la raison. Ah oui, c'est la grande fierté, la dignité même de vivre. Mais il y a l'amour, la bonté, qui est la toute-puissance, l'unique bien à reconquérir quand on l'a perdu. En 81, on avait publié les poèmes que Zola écrivait quand il avait 16-18 ans. C'était des poèmes pleins de foi. J'en vois un qui commence comme ça. « Ô toi, Seigneur d'amour, de vie et d'espérance, toi qui mis dans mon être ce feu pur dont l'ardeur me rapproche de toi. » Alors bien entendu, maintenant, les ennemis de Zola utilisaient ces textes-là pour se moquer de lui, dire « Voilà d'où il vient, et maintenant, Dieu sait s'il est différent. » Alors, dans la préface de 96, au livre du docteur Toulouse, dont je vous parlais il y a un instant, Zola va dire exactement ceci. « Ceux qui s'imaginent que mon passé me gêne se trompent bien, car ce que je voulais alors, je le veux toujours. Et c'est à peine si mes moyens ont changé. » Il y avait un personnage de la Confession de Claude qui s'appelle Jacques, qui est le personnage de l'étudiant tranquille, installé, qui n'a pas de problème, et qui se moque de Claude à cause de tous ses drames et toutes ses angoisses. Et Jacques disait à Claude, « Vois-tu, mon pauvre Claude, tu aimes ce qui n'existe pas. » Eh bien, Zola a gardé ça longtemps dans son esprit, et il va y répondre lui-même, y répondre comme il pourra, 23 ans plus tard, dans Le Rêve. C'est un livre qu'on a beaucoup blâmé en disant qu'il l'avait fait bleu et rose afin de se présenter mieux à l'Académie française. On ne sait pas ça. Je connais maintenant le secret du rêve. C'est comme un adieu poignant à tout ce qu'il appelait autrefois les espérances du rêve, et dont il ne dit que ce sont simplement, en effet, des rêves maintenant. Eh bien, au centre du rêve, il y a la petite histoire suivante. Le personnage principal, qui s'appelle Félicien, aime cette jeune fille, qui s'appelle Angélique. Elle l'aime aussi. Et Félicien, une nuit, est venu la retrouver dans sa chambre. Il veut l'enlever. Et elle l'aime, vous savez. Elle l'aime de tout son cœur et de tout son corps. Elle est prête à suivre ce garçon. Et pourtant, elle sent que c'est une transgression, qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Et alors Félicien lui dit, se penchant sur elle, « Angélique, voyons, je suis ce qui existe. Et vous me sacrifiez pour des rêves ?» Et la petite lui dit simplement, « Des rêves, vous croyez. » Mais elle reste. Et Zola va ajouter, sa joie était devenue d'obéir. Et bien lui aussi, Zola, c'est quelqu'un dont la joie est devenue d'obéir. Quelqu'un qui essaye de faire de son mieux ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire d'être un brave homme, de bien travailler. À la fin de sa vie, on a un homme devant nous qui boucle sa boucle. Voyez-vous, quand il s'est dressé tout debout en 98, « L'affaire Dreyfus m'a rendu meilleur », dira-t-il. Et en effet, il se met à entreprendre cette année-là, 98, ce dernier travail, cet énorme bouquin, ou plutôt ces quatre gros livres, la tétralogie des quatre évangiles, et la mort l'empêchera d'écrire le quatrième. Il boucle sa boucle, parce qu'autrefois, quand il hésitait sur ce qu'il devait écrire, il disait qu'il y avait d'un côté la satire et de l'autre le cantique. Il aura fait toute sa vie de la satire, c'est-à-dire montrant violemment ce qu'est le mal. Et maintenant, il va essayer de faire du cantique. Et il le dit dans ses notes de travail des quatre évangiles. Et il le dit, ce que je veux écrire, c'est un cantique de tendresse et de charité. Ce sont presque les mêmes mots qu'il employait pour ses contes à Ninon d'autrefois. Les quatre évangiles dans son œuvre, c'est comme l'invasion des cœurs purs. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a trois livres de lui qui se terminent par l'image de quelqu'un qui est sur une route et qui marche? C'est Madame Hamelin qui marche à la fin de L'Argent. C'est Étienne Lantier qui marche à la fin de Germinal. C'est Jean Macquart qui marche à la fin de La Débâcle. Et ce que Zola essaye de leur chanter, c'est comme un chant du départ qu'il leur fredonne dans la nuit. Ils avancent, on ne sait vers où, ils avancent le cœur confiant. Le soleil n'est pas encore là, mais on sait bien qu'il s'élèvera.